Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Serge Fortini. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Et vous avez vu où on est? On est chez ASICS. ASICS, mais pas pour n'importe quoi. Un week-end assez particulier parce qu'on va aller sur le Marathon de Paris. Marathon de Paris, évidemment, qui dit Marathon de Paris dit Run in Experience. Run in Experience, ça se passe tout de suite. Bonjour Youen du laboratoire Ephinome Nutrition. Alors je suis ravi aujourd'hui de vous présenter un petit peu ce qu'on est capable de proposer. Aujourd'hui on a une gamme de nutrition sportive qui s'appelle Ephinosport dans laquelle on propose des boissons énergétiques de l'effort qui sont complètes, également un gel de l'effort, boissons de récupération, barres et gâteaux énergétiques. Et ben, merci à toi et puis alors juste pour info, on est breton comme ça se voit avec les petits drapeaux. Donc voilà, basé à Lorient. Mais vous êtes tous les bienvenus, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je suis Tina de Shox. Je suis responsable marketing pour le marché français. Et Shox est une marque qui fabrique des casques et des écouteurs à oreilles libres. Donc, nous avons des modèles, les casques à condition osseuse, par exemple Open Run Pro, Open Run et aussi Open Move pour tout ce qui est la course à pied, le trail et aussi d'autres activités en plein air. Je vais vous présenter la marque Anita. Il faut savoir qu'Anita, c'est une entreprise familiale qui est à l'origine un corsetier. Donc, nous sommes d'origine fabricants de lingerie et nous faisons de la lingerie pour la maternité, pour le sport, comme vous voyez, pour le care, pour les femmes opérées d'un cancer du sein et de la corsetterie pour les grandes fortes poitrines. Nous avons un grand choix de taille qui va du A jusqu'au K. Donc, on peut vraiment répondre à tous les besoins des femmes qui font du sport. Nous avons un choix de matière qui est très technique, qui va pouvoir faire évacuer la transpiration. Nous avons des coutures ultra plates, un fort maintien et un grand confort. Elles sont vraiment très élaborées. On a des bretelles ergonomiques et en plus, on fait quand même aussi de sorte que ce soit un joli look. Bonjour, je m'appelle Thibaut, je suis responsable du développement B2B pour la marque NutriPure. Donc on est une marque toulousaine qui existe depuis 2018 dans les compléments alimentaires. Notre objectif, c'est tout simplement d'aider les gens à atteindre leurs objectifs physiques, à performer avec des produits de qualité, le plus naturel possible. On essaie de proposer ça à nos clients tout au long de l'année. On est présent sur le marché du fitness, du crossfit, cross-training. Et on rentre un petit peu dans l'endurance et c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui au Marathon de Paris. Je m'appelle Marie Chavanne, je suis nutritionniste experte en nutrition sportive et responsable de la performance chez NutriPure. L'idée, c'est d'accompagner via le service nutrition tous nos athlètes en leur proposant d'abord une optimisation au niveau nutritionnel. Donc le point de départ, c'est bien l'assiette. Et en complément, comme leur nom l'indique, je viens les orienter sur toute la partie nutrition sportive, complément alimentaire. D'origine, on est plus connu dans les sports de combat, de force, mais on tend à se développer sur le marché de l'endurance, raison pour laquelle on est sur le salon du Run Experience aujourd'hui. Et l'an dernier, à l'occasion des 20 km de Paris, on a développé le longue distance, qui est notre première boisson énergétique, avec une formule qu'on appelle Pure Digest. Donc c'est une formule hydrogel où, dans l'idée, une fois qu'on a l'ingestion de la boisson, au moment du contact de l'acidité de l'estomac, et donc du pH acide, il va y avoir un gel qui va se tapisser au niveau de l'estomac pour améliorer à la fois le confort digestif,
la captation des glucides, l'absorption des vitamines, des minéraux. Mais il y a vraiment cet aspect effectivement gélifiant pour éviter le fameux ballonnement un peu qu'on peut ressentir ou cette sensation de la lourdeur avec des fois une consommation hydrique trop importante. Je suis chargée de communication et de partenariat pour la marque Waruju. Donc nous, on est une start-up basée à Lyon et on fait de la semelle de prévention de blessures, donc prévention de blessures, de performance et de confort. Et on a une spécialité, c'est de faire une semelle de trail avec un grip particulier qui ne bouge pas dans la chaussure, donc qui permet de contrôler tes appuis sur différents terrains. Et c'est une semelle qui est géniale et vous devriez l'essayer. Ah bah salut Serge, on se retrouve au Run Experience. Eh ben, on est là pour présenter, moi je suis Thomas, je suis parti de Tough Mudder et on est là pour présenter la Tough Mudder qui aura lieu le 12 octobre au camp militaire de Ben à plaisir. C'est dans le 78 de format, il y a le 15 km et le 5 km, toujours avec des obstacles, avec du challenge, avec l'électrochoc thérapie. On fait des petits tests ici d'électricité, on a des gens qui passent sous les fils électriques, c'est pas mal. Ah ouais, mais là c'est vraiment grand public, il n'y a pas de chronométrage, on est là pour le challenge. Plus on est de fous, plus on s'entraide, plus on se challenge. Donc là, c'est vraiment accessible à n'importe qui. Sur ce Running Experience, vous avez vu, on a vu pas mal de gens, beaucoup de marques, des exclus. Il y a évidemment des petites surprises, mais ça, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça se passe ici, ça se passe là. Et évidemment qu'on ne peut pas tout dire. Mais si tu me suis sur les autres, peut-être que je te lâcherai quelques petites tips et quelques nouveautés. On verra ça. Me revoilà dans mon sanctuaire chez Corf pour vous faire un débrief du marathon de Paris 2024. Oh voilà, 7h30 du matin, on est en plein Paris, petit échauffement, j'ai pas pris le métro perso, j'ai décidé de partir de l'hôtel à pied pour courir solo, tranquille, sans un million de personnes. J'ai le souvenir de l'année dernière, t'as pas vu la vidéo, c'est ici, marathon de Paris, déjà avec la team orange et Azix, partenaire du marathon de Paris. Il fait gris, il fait bon, une quinzaine de degrés. On va être pas mal pour cette course-là. Plutôt en forme, comme tu le sais. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, t'es au courant, je m'entraîne pas particulièrement pour le marathon. Je fais quelques séances, évidemment, on va dire pas mal de séances sur la piste. Mais en ce moment, je fais plutôt du volume lentement pour une autre date. Il faut t'abonner à la chaîne, activer les notifications pour savoir la suite des choses. Bon, allez, pas que, mais je crois que je suis en retard sur mon sas quand même. J'y retourne. Pow ! Tu l'auras compris, comme d'habitude, j'étais pas en avance. Je me suis levé tranquille de l'hôtel et en retard. Enfin, en retard, non, je mets des guillemets. J'étais à l'heure, mais voilà, j'ai pas pris en considération le fait qu'il y avait beaucoup de monde, que j'allais poser mes affaires chez les copains de la team Orange Running côté avenue Foch. Et puis j'y vais au sas préférentiel qui est de l'autre côté, au l'avenue des Champs-Élysées, très très loin. Je te remets la petite carte là, tu vois, ça m'a fait quelques kilomètres, c'est pas plus mal, je me suis échauffé, mais désolé, je fais un coucou à tous ceux qui j'ai croisé rapidement. J'ai juste dit bonjour hein, à vitesse de l'éclair. Il a fallu que je trace évidemment dans mon sas parce que je suis arrivé tout juste. J'ai démarré dans les toilettes du sas. Oui, il y a des toilettes si t'as envie de faire pipi dans les sas, bref, devant. Mais bon, t'es pas du tout dans l'axe pour démarrer ton marathon. Ceci dit, c'est pas très grave parce que bon, t'as le temps de revenir. C'est vraiment une chance de démarrer dans le sas préférentiel. Moi, j'ai une ref à 2,51 l'année dernière. Donc, j'ai un peu de chance. Je suis bien placé. Il y a beaucoup de monde. Quand je dis beaucoup, il y a 50 000 personnes quand même. Les sportifs, vous le savez comment ça se passe. Il faut mettre le pouce bleu. On met le pouce bleu. On insiste bien sur ça. Pourquoi ? Parce que ça fait vivre la chaîne YouTube. Si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes immédiatement, s'il te plaît, et t'actives les notifications. Je vous dis merci les sportifs et on y va dans cette vidéo. Et cette course, elle démarre. Elle démarre pas à moitié. Il y a un effet de foule, un effet d'excitation. Tout le monde part à 2000 à l'heure. Quand je dis à 2000, dans mon sas, on est autour de 3,30 au kilo. Donc là, tu mets ton orgueil de côté et surtout, tu suis ce que tu as décidé de faire. Moi, personnellement, j'ai décidé de partir
sur une allure plus ou moins de l'année dernière qui est autour de 4,05 au kilo. Et c'est parti. Ambiance de folie, plus belle avenue du monde. Évidemment, par très très vite le départ. Je suis en sens préférentiel. J'ai largement dans l'allure. La veille, il a beaucoup plu. On a eu de la chance. Un coup de vent cavalait tout ça, donc les pavés étaient secs. Donc fais attention, si tu regardes cette vidéo pour préparer le marathon de Paris, il y a des pavés, hein, c'est pas nouveau, c'est Paris, mais si t'es jamais venu peut-être à Paris, et voilà, une grosse partie avec des pavés qui peuvent être plus ou moins, on va dire, glissants, tu peux te faire une cheville si t'as des super choses et que t'as pas l'habitude, ça fait un peu déséquilibré, moi perso, ni chaud ni froid, mais voilà, je suis trailer, donc bon, chacun sa chance, on va dire. Tu traverses évidemment tous les plus beaux monuments de Paris. Et moi, pour moi, à mes yeux, la premier semi sur ce marathon, c'est vraiment le plus joli. Tu vois le Louvre, tu vois la Tour Eiffel, tu vois enfin plutôt plein de monuments que tu verras au fil de cette vidéo. Je m'étais fixé de rester dans mon allure, donc comme je te le disais, sur l'allure de l'année dernière, donc qui est autour des 4 kilos. Moi, j'ai pas préparé ce marathon à fond les ballons. Ce que je suis en train de préparer à l'heure actuelle, c'est plutôt Madère, l'ultra trail de Madère, donc je te laisse imaginer que je fais beaucoup plus de volume que de faire 2-3 heures de run sur le bitume. Ceci dit, ça n'empêche pas que je vais quand même à la piste, je fais un peu de vitesse. Il faut être un minimum polyvalent quand tu es trailer, et je dirais même pour tout le monde, si tu veux être solide, aller loin, prévenir des blessures, il faut être hybride. Moi, je prends la hybride attitude. Si tu sais pas ce que c'est hybride, je te mets un lien là, juste là, je te parle d'Aerox entre autres qui mélange pas mal de sports. Eh les sportifs, cette vidéo est sponsorisée. Eh oui, elle est sponsorisée par qui? Elle est sponsorisée par Zumu. Pourquoi j'interviens dans cette vidéo à ce moment précis? Pourquoi? Parce que je vais à ce moment-là de la course commencer à utiliser mes gels Zumu. Donc je vais commencer à m'alimenter. Je m'alimente sur un marathon, moi, à peu près 4 fois. Essentiellement en gel, essentiellement liquide et de l'eau. Voilà, pas plus que ça parce que bah ça va très vite. On n'est pas sur de l'ultra trail. Moi, je suis pas sur du trail. Le trail, je vais manger énormément, je vais prendre de l'iso, prendre plein de trucs. Là, perso, que du gel, gel de chez Zumub. Donc merci l'équipe Zumub de me suivre sur toutes ces différentes aventures. Si tu sais pas ce que c'est Zumub, c'est un revendeur de compléments alimentaires et d'accessoires de sport. Donc il y a des tenues sympas, des débardeurs, il y a plein de trucs pour la muscu, le fitness, le running, enfin. Ça correspond à tout ce que je fais, donc c'est super cool parce que bah, je fais les courses chez eux. Et je t'invite à faire de même, tu auras le code de réduction là, juste en dessous. Ça me permet de toucher un petit pourcentage de ce que tu vas acheter. Et en plus, toi, tu achètes au meilleur prix du marché. Donc tout le monde est gagnant et on est quoi dedans? Allez, on continue, go! 1h24. On est bien. On est dans le time, on avance même. Bon, on va pas se plaindre. Il s'agit de tenir. Voir le négatif split. On va voir ça. 28e kilomètre. Et on croise les 3,45. Donc c'est fun. Je vais voir les collègues. Toujours en jambes, tout va bien. Allez, on continue. Cette année, il n'y a pas eu beaucoup de tunnels. Pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de tunnels? C'est que la Seine est en crue et la Seine déborde sur les quais. Donc, on a eu quelques passages en moins. C'est pas plus mal parce que bah, c'est un petit peu, ça peut être touchy un peu à gérer dans ce marathon, tous ces différents tunnels. Il n'empêche qu'il y a quand même tous les coups de cul, des relances à effectuer, quelques petits tunnels comme tu peux voir à l'image. Et puis t'es dans un moment de la course qui devient un peu difficile, hein. T'es autour de la trentaine de kilomètres. Ça n'empêche qu'on voit la Tour Eiffel et qu'on passe bien devant. Là, un moment très 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 hard, hein, parce que on est autour du 33-35 kilomètres. C'est joli, il y a beaucoup beaucoup de monde, ça fait plaisir.
mais c'est difficile. La team orange est là, grosse grosse ambiance, je pense que c'est la plus grosse ambiance du marathon, les plus grands encouragements, ils sont ici au moment où il y a la team orange supporter. Et on arrive au Bois de Boulogne. Bois de Boulogne, moi je l'avais pas kiffé l'année dernière, j'avais mangé un peu le mur, cette année j'arrive en pleine forme et Copain Trailer qui est là, je vous laisse voir la vidéo. Ça va les sportifs? Ah il est beau, il est beau, il est beau là. Il est bien là. Oh putain, ça sent l'écurie. Chief, allez les copains trailers. Ils font leur entraînement à seuil. Ouais, c'est ça, ouais, putain. Je vais exploser. Bravo, certes. On est au 37.6. Et ça va, bon train. On a passé le mur. Sur une bonne base. Il devrait être 2,50. Inch'Allah. Allez, sub 2,50. Allez, on y va. Allez Serge. On est bien. On essaye de tenir les 4, voire en dessous. On est au 38-30. Allez, ciao l'ami. Ah, le cri-cri m'a pas laissé tout seul pendant quelques mètres. Il m'a accompagné, ça fait plaisir au moral, ça rebooste, ça fait passer ce petit moment un peu difficile. Et on est reparti pour les derniers kilomètres. Allez. On arrive sur la fin du marathon de Paris. Et ouais, évidemment, et il faut bien que ça se finisse un jour. C'est le moment où tu serres les dents. Si t'es encore un petit peu dur, tu vas mettre tout ce qui reste. Moi, j'ai de la chance. Il y en avait encore un peu sous le pied, donc j'ai pu accélérer un petit peu l'allure. Je dis bien un petit peu, hein. Je suis pas monté à 2,30 non plus. Ce marathon, faut dire ce qui est, il est pas facile, mais il est très très beau, il vaut vraiment le coup, faut au moins le faire une fois dans sa vie, ça c'est sûr. Il y a plus de 50 000 participants, vous vous rendez compte, c'est énorme. La moyenne sur ce marathon est autour de 4 heures, si je dis pas de bêtises. Si je dis bêtises, ou si vous êtes pas d'accord, si vous voulez échanger, si vous voulez me donner votre temps au marathon, c'est en dessous, en commentaire, je me ferai un plaisir de discuter avec vous sur ce magnifique marathon. Mais dans tous les cas, quand tu as fini ce marathon, tu es marathonien. C'est-à-dire que tu fais partie de moins de 1% de la population à avoir fini un marathon. Donc c'est énormissime que tu aies fait moins de 2h50 comme moi. Là, je suis super content parce que j'ai fait un PR. Que tu sois kényan ou je ne sais trop quelle nationalité et que tu tombes en dessous des 2h10. Et évidemment, la moyenne générale, tu es à plus de 3h et puis tu finis tout simplement. Eh ben, bravo, bravo à tout le monde. C'est très, très bien. En attendant, je vous souhaite un bon run. Moi, je retourne m'entraîner. Je vous dis bonbon et saucisson. Sportez-vous bien, surtout.